C'est Ezor, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rust l'épisode 2. Cette fois-ci on va s'attaquer à la grande muraille de la maison Tutuper parce qu'on doit vraiment faire une barrière de protection pour qu'on puisse être tranquille. Et pour cette vidéo je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Géo le Plo, salut mec. Salut salut. Et de Zobins, salut à toi. Salut salut. Donc comme je vous l'ai dit durant cette vidéo on va surtout s'attaquer à la muraille, à l'améliorer. On a beaucoup de bois, on en a récolté beaucoup, enfin surtout Géo, durant toute la matinée il a récolté le plus possible de bois. Donc là on va faire une base, les murs en rectangle un petit peu, on va essayer en tout cas parce qu'on veut que ça soit assez large pour qu'on puisse avoir assez d'espace pour protéger notre maison et qu'on puisse aussi mettre des raffineries, des machines pour récolter la pierre, du cuivre, etc. Donc tout ça, ça va prendre du temps et donc ce qui fait que, et de la place surtout, donc ce qui fait qu'on va vraiment mettre un mur vraiment, vraiment, vraiment large. Donc on va commencer. Mec, on est occupé. Zone privée. On est occupé là. Les gars, c'est bon, il y a un cinquième airdrop au-dessus de gueule. Oui, parce qu'il a mis une fumigène. Donc ce qui fait que on va pouvoir commencer. Donc déjà, on va mettre les fondations parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir poser les murs. Donc on va relier tout le tour de la maison. Voilà, encore un peu. Encore. Et ça devrait être bon. Voilà, parfait. Ensuite je relie cette partie là. Parce qu'en fait ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire deux murs, d'accord. On veut faire deux murs, donc un mur, un premier mur. Ensuite on met des pics tout le côté. Et ensuite, on remet un deuxième mur. Donc bon, ça prend du temps, ça prend des ressources, mais au moins on protège, on ralentit et on fait utiliser le plus possible de ressources aux ennemis, surtout ben, pour le C4. Donc on met deux murs, ensuite derrière on mettra encore d'autres choses, on ne vous dit pas encore tout ce qu'on va mettre, mais en tout cas, on va vraiment se protéger le plus possible, surtout, c'est ce qu'on va faire. On améliorera la maison après, d'accord. Mais là, surtout, c'est la protection et le mur, c'est primordial pour qu'on puisse être enfin tranquille et que personne vienne nous déranger. Ok, donc ça, c'est relié. Il me reste assez de bois. Je pense qu'on aura assez pour faire tout le tour. Merde. Donc ça, je le détruis. Voilà. Allez, on est reparti. Donc ça, c'est assez rapide, hein. C'est pas très long. Ça prend à chaque fois 50 de bois. Donc, le mieux, c'est de... Ça va faire mieux, Ezra, ou pas? Ouais, si tu veux. Bah, attends, juste, tu pourras, si tu veux, juste attendre que j'arrive pour leur montrer. J'ai bientôt fini, je suis presque là. Je vais aller à l'airdrop. Vas-y, si tu veux. Ils sont tous dessus. Bah, laisse-le au pire, hein. T'inquiète. Hein. Ils vont tous mourir par les radiations, please. Allez, on relie. Alors, certes. Oh non, ça va, j'ai rien dit. Voilà, ok, ça c'est presque détruit, mais on a le temps. Parfait. Donc à chaque fois, on va mettre tout le long des murs. Et ensuite, on va le surélever, encore une fois, d'un mur, quoi. Donc tout ça, après, on va falloir améliorer, donc il va falloir récolter encore plus de 20 000 bois. Pour ensuite l'améliorer, comme je dis, en bois, et comme ça on sera tranquille. Ok, c'est bon, on a fait le tour de la base, donc voilà, ça c'est fini. Et maintenant, on peut s'attaquer aux murs, donc si tu veux, là tu peux maintenant mettre des murs. Y'a aucun souci. Alors par contre, ça va prendre ça un peu plus de temps. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser, je vais aller de l'autre côté. Jo, ce que tu peux faire en attendant, c'est renforcer les fondations. En le sol. Ouais. Ouais, en bois. Est-ce que attends parce que j'ai peur qu'on ait pas assez de bois pour faire tout le tour. Déjà qu'on fasse tout le tour et après si on améliorera le. Attends, je vais aller de l'autre côté parce que sinon on va se marcher dessus. Parce que en fait ça va tellement vite que à chaque fois tu me rattrapes déjà alors avant que je commence. Avant que je commence quoi. Ouais, donc ouais, on fait un truc vraiment grand certes, mais au moins comme ça quoi qu'il y ait. Ouais, au moins on a de l'espace. Par contre, quoi. On a oublié l'entrée, les gars. Non, mais c'est pas vrai, l'entrée on s'occupera plus tard, les gars. C'est pas, ah, ok, pas de soucis. Souci, ouais. Allez. Il y a un mec qui fait. Ils font tout le tour de la maison avec moi. C'est quoi? Tant qu'ils viennent pas avec nous parler, c'est bon, parce qu'après ça va être le bordel, on va plus s'entendre. Ouais. Je te demande juste ça, quoi.
Ok, et ensuite on améliore la partie et merde, en bois. Oh, le fail. Ouais. Et voilà, c'est bon. On a déjà tout entouré. Oh, bah c'est parfait ça. Putain, oh, ça putain. Était rapide. Ça était vraiment, vraiment rapide. Et maintenant, c'est améliorer tout ça. La fondation. Et ensuite, le mur. Donc déjà, on va améliorer le mur. Et ensuite, la fondation. Donc ça prend un peu de temps, tout ça. Hein. On va avoir beaucoup de bois. 200. Ouais, ça va être long. Mais bon, c'est pas grave. Merde. Allez, continue. C'est juste qu'il faut améliorer en bois le temps que... Enfin, pour pas que ça dispone tout de suite, quoi. Ouais. Après, la pierre, ça va aller vite. Comment les gens viendront nous parler si nous on est dans la maison et qu'eux ils sont dans la muraille? Pigeon voyageur. Il y a un chat. Oui, il y a un chat. Ouais, par fax. Ok. Par avion. Ils prennent un ordre. Un pigeon voyageur, il nous envoie. C'est ça. Putain, j'ai bientôt plus de bois, mais on devrait avoir assez à chaque fois pour tout améliorer. Normalement. Il reste du bois encore, je crois. Hein. Comment? Il resterait du bois, et je pense qu'il va rester du bois ensuite. Dans les coffres? Ouais. Giro, le plot, il améliore les murs. Ouais. J'améliore le sol. Ah, parfait, ça. De quoi? Vous avez... on a pas... Les gars, on a pas mis de piliers. T'as dit quoi? Oh! Ah mais non, c'est pas grave, pour les piliers, non? Pour les murs. Ah bah non, en fait, ça s'appelle le farm, en fait. Tout simplement. Les ors. Hmm. Les piliers, on n'a pas besoin, j'espère. Comment ça, des piliers? Non, mais ça c'est surtout pour les quand tu veux mettre un deuxième étage, la stabilité. Mais là, on met un deuxième mur, ça va tenir. Hein. Ok. Ouais, ça marche. Parce que si on veut mettre quelque chose au-dessus. Non, on va rien mettre. Enfin, je sais pas. On va mettre que des pics et tout de toute façon. Donc. Ok. Qui c'est qui est passé? C'est toi là? Ouais, c'est toi. Ouais, j'ai déjà plus de bois. Moi non plus. Bah t'as quasiment fait tout le tour, non? Ouais. Quasiment, et Azor il doit rester aller. Et on tient à vous dire qu'on sait rien give, c'est juste du farm. Ouais. Parce que moi j'ai même pas tapé la commande pour pouvoir me give des trucs parce que justement ça me dégoûte du jeu. Et Que tu la connais pas. Et surtout qu'en plus je la connais même pas, enfin faut la chercher sur Google, hein, c'est pas très compliqué. Mais ok, il manque de bois pour deux murs, putain. Attends, bah t'as combien Azor sur toi? Parce que moi j'en ai 42. J'ai 75. Ok, bah tiens, ça en fera un jeune de plus. Je préfère le dire, on a juste farmé. Moi j'ai farmé hier, j'ai farmé encore ce matin. Donc ce matin j'en ai ramassé à peu près 20 000 et c'est pas très long. Ramasser 15 000, sérieusement, ça prend même pas 10-15 minutes. À peu près avec une hachette qui récolte à 25 par 25. Donc sincèrement, non, j'en ai pas assez en fait du bois. Merde, c'est combien pour moi? Bah c'est 300. 200, ah, 300. Donc là notre maison là, elle est protégée. Donc là c'est cool. On a plus du tout de bois, les gars. Ah si, 18. On a même pas de quoi craft une hachette. T'es sûr qu'on a vraiment... T'as regardé toutes les boîtes? Ouais, toutes les boîtes. Mais... Ok, bon. Le mur, on va mettre un deuxième mur ensuite au-dessus. Donc il va falloir re-récolter encore. Ça va nous prendre encore longtemps. Il est quelle heure là? Là, il est... Ah si, j'ai du bois. Il est 21h24. Ok, bon, on a jusqu'à 1h, 2h du matin pour faire la vidéo et pour re-récolter du bois. Et encore mettre un deuxième mur en haut au-dessus, d'accord? Pour faire vraiment un truc haut. Désolé pour le chien. Et non, pas de soucis, ouais. Et comme ça, au moins, on sera tranquille. Voilà. Bon, et c'est où ton bois? Tu peux te mute ou pas, Zobins? Non, il était dans le grand four, en haut. Ah, si tu étais où? Ah, t'es là, ok, vas-y. Il manque quoi améliorer? Bah, deux murs, c'est tout. Il faudra améliorer le sol aussi. Parce que j'ai fait quasiment tout le tour. Mais bon. Ah parfait, super. Ouais, le sol, bah oui, donc ouais, il va falloir, bah, principalement je pense déjà on va améliorer le sol et ensuite on mettra un deuxième mur, mais... Attends Ezor, avant de fermer les deux murs, laisse-moi passer, au pire je vais aller fermer un peu de bois, non? Bah celui-là, ouais. Ouais, mettez la porte, au pire. Mais il y a des gens qui avaient mis des échelles derrière chez nous, d'accord. De quoi? Il y a des gens, ils avaient commencé à vouloir nous raid avec des échelles. Quand ça? Là. Ouais, vas-y, quand ça? Bah, ils ont mis des échelles sur nos murs pour monter tout en haut. Ouais, pour mettre sur le mur de protection là qu'on vient de faire ou sur la... Non, sur la maison. Ouais, ils ont craqué. Il y a de l'aime trop. Ok. Mignol. Au pire, armoire en priorité dans chaque angle alors. Ouais, bonjour. Ah, c'est toi, Damien. Ah,
merde, c'est les orcs. Ouais, c'est moi, ouais. Moi, je crois que c'est un mec qui avait crié. Mec, il te vole ton prénom, quoi, y'a pas de raison. Non, non. Putain, c'est qui le con qui a mis avec sa muraille, putain, il va se faire niquer. Non, non, bah. Non, non, moi, c'est ma muraille pour protéger notre maison, quoi, tout simplement. On l'a fait assez grande. Non, 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 c'est moi qui l'ai cassé pour que mon pote puisse sortir et couper du bois. Là, là, je vais la détruire cette maison. Non, non, mais je vais la détruire. Si t'as des trucs intéressants dedans, vas-y, parce qu'il a abandonné. Je vais aller la détruire. Je sais pas. Essaye, mais ça m'étonnerait que t'y arrives. Hein. C'est, je pense pas que tu puisses. Hein. Ouais, je pense pas que tu puisses. Bon. Ah putain, merci toi aussi. Bon, ce qu'on va faire, on va couper, d'accord, on va couper la vidéo et on va aller récolter du bois le plus qu'on peut. Et ensuite, ben, on va améliorer, de finir d'améliorer la première base et ensuite on va mettre un deuxième pan pour être tranquille. Et voilà, enfin bref, on a encore du pain sur la planche là, d'accord. Voilà, de suite. Ok, donc, nous revoilà, on a terminé déjà le mur tout autour, on a encerclé entièrement notre base. Bien sûr, ben, il y a Géoloplo et Zobins qui m'ont aidé, enfin, on a fait tout ça à trois. Là, on a commencé à mettre un premier mur, on a amélioré tout ça en bois supérieur. Et on n'a pas terminé encore, on préfère vous le dire, c'est pas fini. Là, ce qu'on va mettre, on met un deuxième mur et là, entre, on va mettre des pics. On va mettre pas mal de trucs. Donc certes c'est gros, c'est vrai que ça va prendre du temps, mais on a envie de faire un truc grand en fait. On n'a pas envie de faire un truc tout simple et tout. Bon, on a envie de se faire plaisir, on a envie de vous faire un truc sympa aussi en vidéo. Donc ce qui fait qu'on fait un gros projet, ça va prendre du temps, mais on y joue tous les jours, on passe beaucoup de temps dessus, donc bon, c'est pas gênant. Donc voilà, tout est en bois, on va surélever encore une fois le mur, des murs encore. On a encore pas mal de choses à faire, on vous fera ça dans un prochain épisode. Dans l'épisode numéro 3, si vous voulez un épisode numéro 3 où on installe les usines, tout ce qui est raffinerie, mine, enfin... comment ça s'appelle déjà là? Pour extraire les minerais là. Chevalet de pompage et... Chevalet de pompage, tout ça, mettez un pouce bleu, on atteint... Et carrière d'exploitation. Carrière d'exploitation, c'est ça, on essaie d'atteindre encore une fois les 400 likes si vous voulez l'épisode numéro 3, pardon, où on vous montre tout ça, on vous explique comment les installer et comment rechercher justement les mines pour extraire tout ça. Donc l'épisode 3 sera sur ça. L'épisode 4, on aura bien avancé je pense au niveau des murs, et c'est vrai qu'on a jusqu'à dimanche encore une fois pour raid des bases. Pendant une semaine personne s'attaque, donc ce qui fait qu'on a fait un premier mur de protection tout simple, et ensuite on l'améliorera plus tard. Allez, okay. Le mariage. Bébé pour eux. Et pour la peine, je balance la fumée. Vas-y, tu peux balancer la fumée, vas-y. Celui qui est sur le toit. Là. Donc là, on avait une fumée de largage donc qu'on avait trouvé. Donc là, on vient de l'envoyer. Et on va attendre un deuxième colis en espérant que bah, y ait des choses intéressantes dedans. Donc voilà, vu qu'on a encore une semaine jusqu'à dimanche pour sans se faire raid, ce qui fait que on a mis un simple mur, comme vous l'a dit. Tout simple. De toute façon, on va pas se faire attaquer. Demain on met les usines, comme ça ben, on va pouvoir récolter tout ce qui est minerai, fer, etc. Et ensuite, après, on améliore le plus rapidement possible. Encore une fois, le mur, ça va être ça le plus important pour pas qu'on puisse se faire attaquer, tout simplement. Donc, l'avion va pas tarder à arriver, je vais venir sur le toit et vous montrer vite fait à quoi ressemble la maison pour ceux qui l'ont pas vu encore. Et on va aussi améliorer la tôle, on va casser cette tôle et on va mettre de la pierre à place parce qu'en fait la tôle est moins résistante que la pierre, donc on pensait que c'était l'inverse. On va mettre blindage direct mon gars. Mais en fait non, ouais, on va le blindage, on va le blinder direct. Et là on a mis un four mais qui est provisoire, on va le casser, on va le mettre ailleurs parce que c'est pas vraiment la place qu'on voulait. Donc ce qui fait que voilà. Donc on attend que l'avion arrive, je sais pas combien de temps il va mettre, il va pas tarder. Là on a combien de fer là dedans là? Ah, ça va. Ah, mais t'as dû en mettre dans ta poche depuis, hein. Oui, oui. T'en as à combien? À peu près 3000 là. Là, j'en ai 2500 sur moi. Voilà, c'est cool ça. Parfait pour faire des munitions, améliorer tout ce qui est truc en fer et tout, donc c'est parfait. Mais c'est pas un truc de largage, gros, je crois que c'est un fumigène. Hein. Ah bon, il y avait pas marqué largage? Bah, si, il y avait écrit pour largage, mais. À skip, l'avion, il a du retard.
Ouais, je pense que c'était pas bon, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, ça vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos sur Rust, c'est gratuit. Ça prend 2 secondes. À mettre un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo. Ce que vous pouvez nous donner aussi des conseils, on les accepte volontiers. Et à me suivre sur Twitter et Facebook. Les réseaux sociaux, sont dans la description de la vidéo pour être au courant de mes prochaines vidéos également, de mes prochains streams. Et puis voilà, je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, Gio ou Zobins. Tout est bon. Tout est bon dans le cochon. On a mis enfin notre mur. Ah si, il arrive. Ah si, il arrive. Oh, putain, il en a mis du temps. C'est Air France, comme t'es dit. La SNCF. Il a fait France-Canada aussi. Il y a un mec qui rentre dans la propriété, les gars. Hein. Ah bah là, malheureusement pour lui. Hein. Faites gaffe avec le pilote, ne va pas se suicider. Ah, ça va. Il tombe à côté, quelqu'un le prend, je suis deg. Allez, largue ta caisse, un peu cher. Ouais, c'est bon. Là, il l'a largué dehors, mon gars. Non, c'est dedans. Non mais arrête de dire des conneries parce qu'il y en a ils non mais ils prennent tout l'ordi. Hein. Non mais mec, je le dis sérieux, hein. Faut pas s'amuser avec ça parce qu'il y en a vraiment qui vont prendre au sérieux qu'on cheat, donc alors pas du tout. Je le dis, faut pas s'amuser à ça avec Nena, je leur dis des trucs, vu que je suis on va dire pseudo youtubeur, j'ai pas mal d'abonnés, mais je leur dis n'importe quoi, ils me croient. Hein. C'est un truc de fou, donc vaut mieux. Aujourd'hui j'ai mangé du caca. Ah bon? Non, Ezor, t'as pas fait ça. C'est mec. Et après sur les. Fais gaffe, Ezor, tu peux être malade, en parler à un spécialiste. Donc pour vous dire qu'on se give rien encore une fois, d'accord, on a farmé, c'est pas très compliqué. Je vous conseille de vous crafter la hachette. Elle est très très résistante. C'est franchement, elle est vraiment résistante, plus résistante que la hache de récupération. La hache de récupération et la hache en pierre se détériorent très rapidement. Ça, par contre, c'est très très. Le top du top. Très très résistant, donc on vous conseille fortement. J'espère qu'on va avoir des trucs intéressants dans cette case. Tu penses que je peux mourir s'il me tombe dessus? Oui, tu meurs. Ah oui, mec, tu te prends une charge de 500 kg, forcément, tu vas mourir. Tu te prends un sort sur toi, mec. Non, je rigole. Bon, on a plus de fumier là. C'est les fumiers que vous les trouvez dans les caisses. Ah. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quoi dedans? Raffinerie de pétrole, chevalet de pompage, raffinerie de pétrole, chevalet de pompage. On a 4 petites raffineries de pétrole, 2 chevalets de pompage, une guitare et une roquette. Oh, attends, laisse là. Laisse un truc dedans. Pourquoi? Pour pas que le truc despawn. Je vais essayer de monter dessus. Ouais, vas-y. Ah non, je peux pas. Vas-y, je récupère les trucs, il en reste. Bon, on se quitte ici, les gens. Merci à vous encore et à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus. Bye. Oh. J'ai tapé sur le fer, mec. Oh le bat.